Alors, on rejoint Yves Poirier au Palais de justice parce que Ali Ngaroukié, qui vient d'être formellement accusé, d'abord, il a été ramené de Toronto et il est au Palais de justice. Ben, en fait, je pense qu'il a comparu par visioconférence, Mario, mais effectivement, là, il va devoir revenir ici dans la région de Montréal où il sera détenu parce que la cause a procédé ce matin et il a été formellement accusé de 7 chefs d'accusation, 5 chefs d'accusation en lien évidemment avec cette tentative de meurtre à l'égard de ce policier montréalais, M. Vig, mais aussi 2 autres chefs en lien avec donc ce vol de voiture parce qu'il a été intercepté et arrêté hier dans la région de Toronto. Je vous rappelle, c'est un jeune homme de 21 ans qui est un résident d'Oshawa, en Ontario. Et puis là, il va demeurer détenu, nous dit-on, jusqu'au 1er avril. C'est particulier, cette affaire, Mario, évidemment, parce que ça remonte à la fin janvier, on s'en souvient. Il y avait eu l'arrestation, l'erreur, donc, d'arrêter M. Camara. Ensuite, le service de police de la Ville de Montréal avait admis qu'il y avait eu erreur sur sa personne. Et là, on ignore toujours si M. Camara va intenter une poursuite contre le SPVM. Mais hier, si vous avez été attentif dans cette conférence de presse donnée par l'un des hauts gradés du service de police, il confirmait que cette fois, on avait la bonne personne, Mario. Et ça a été reconfirmé tantôt par le procureur de la Couronne dans ce dossier. À la lumière de la preuve qu'ils ont obtenue, ils estiment que l'homme qui a été arrêté, ce jeune homme, donc Ali Ngaroukié est la bonne personne et il demeurera détenu jusqu'au début avril. Alors, voilà pour l'essentiel de cette affaire. Mais il y a une autre affaire, évidemment, qui a procédé ce matin. Mais Yves, sur celle-là, si on le décrit comme un résident d'Oshawa, est-ce que les policiers, est-ce que quelqu'un a donné des indications? Qu'est-ce qu'il faisait à Montréal à ce moment-là et pourquoi il s'en serait pris un policier montréalais? Est-ce qu'il avait commis est-ce qu'il avait eu maille à partir avec la police montréalaise? Est-ce qu'on sait quoi que ce soit de... Pourquoi quelqu'un qui vient même pas de Montréal, tout à coup, comme ça, sur le bord de la rue, s'en prend un policier montréalais? Oui, c'est une excellente question, mais comme c'est le cas, Mario, lors des premières comparutions, c'est toujours très embryonnaire et les procureurs de la Couronne hésitent à donner des détails. D'ailleurs, tantôt, l'avocat de la Défense nous a montré devant la caméra le disque dur qui contient donc la preuve. Elle vient de la voir, elle va l'analyser. Je sais qu'il y avait des membres de la famille du jeune homme de 21 ans qui étaient présents tantôt ici au Palais de justice, n'ont pas voulu émettre de commentaires, mais que faisait-il effectivement cette soirée là, de la fin janvier? Pourquoi s'en est-il pris un policier à ce point de le désarmer et d'ouvrir le feu en sa direction? Pour l'instant, on n'a aucune idée derrière les motifs de ce jeune homme de 21 ans. Mais cela va être précisé, évidemment, bientôt, parce qu'il y aura une enquête sur la remise en liberté éventuellement du jeune homme. Et moi, je m'attends à ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales s'y oppose carrément, Mario.